Ouais, c'est bien là. C'est nice. Merci Emmanuel de nous avoir accueillis ici chez toi pour installer cette serre sur ton grand terrain. On est où là? On est à la chapelle Rambaud, en Haute-Savoie. Voilà, on est sur le plateau des Bornes, le plus petit village du Pays Rochois, la Chapelle Rambaud. Et là, on est un peu à l'écart de tout là, au milieu de la nature, à côté d'une belle ferme rénovée qui est chez toi. Et on est venu mettre cette serre sur ton terrain là, juste derrière. Et comment tu nous avais connus? Qu'est-ce qui t'a fait que tu nous as contactés? En fait, je vous ai trouvé sur un site d'innovation. Je crois que c'est les innovations de la décennie ou quelque chose comme ça. C'est pas un site français, c'est un site américain. J'ai regardé ça par hasard dans un aéroport et voilà, j'ai eu envie de vous contacter. Je me suis dit, Tu cherchais pas une serre ou particulièrement? Fondamentalement, j'avais envie d'installer une serre, mais j'étais parti plus sur une idée d'une serre simple Ouais. de culture, mais. Et puis, voilà, la présentation m'a incité à regarder plus avant et voir avec vous cette opportunité. Tu disais que vu qu'on était un peu en altitude ici, ça te permettait peut-être d'arriver à être un peu plus libre au niveau de tes cultures toute l'année, de faire. Oui, je crois que c'est un peu le défi de savoir si on peut cultiver en moyenne montagne au-dessus de 900 mètres. Donc ça reste une expérience à vivre. On va voir si ça fonctionne. Je pense que ça nécessite pas mal de suivi, mais l'idée c'était de voir si je pouvais continuer à produire quelque chose pendant la période d'hivernage. Voilà. Et puis tu vas pouvoir du coup cultiver peut-être un peu plus ce que tu fais aujourd'hui, puis avoir des poissons et puis faire une nouvelle expérience de culture et d'alimentation finalement, c'est ça? Oui, c'est un peu une aventure parce que les Ouais. poissons, j'ai pas de connaissances. Ouais. Et ce circuit d'aquaponie, c'est quelque chose aussi que je ne connaissais pas auparavant. Voilà. Donc c'est une découverte totale. Voilà, on va voir. On va voir. J'ai pas mal d'appréhension, mais positive. Donc comme toute chose que. Parce C'est que très nouveau. oui, et puis il y a une certaine technicité, je dirais. Avant que ce soit un geste simple du quotidien, où t'as pas forcément à raisonner, il va falloir quand même penser la serre, penser le fonctionnement de la serre avant que ça devienne intuitif et fonctionnel. Ok. Bah merci. Puis on espère que tu as posté des jolies photos Ben, de merci à tes vous. cultures. À Voilà. bientôt. Merci. Ciao. Ah, c'était bien, hein?